Reste-t-il encore des questions? Pourquoi fallait-il attendre 1960? Pourquoi la Vierge aurait-elle fait attendre Lucie 43 ans avant de mettre en garde les papes contre la fin programmée du Vatican? Peut-être parce que la Vierge est là pour régler nos urgences, nos problèmes, au moment où ils peuvent être réglés. Elle vient secourir. C'est comme une attention maternelle. Elle prend soin de l'humanité. Avant tout, quand Notre-Dame apparaît, c'est toujours en cas d'urgence. Cette urgence se retrouve dans toutes les apparitions mariales. Le 19e siècle et le début du 20e ont été les grandes périodes des apparitions mariales. Fatima, c'est très lié à la Première Guerre mondiale. Lourdes, c'est lié à la maladie, à la tuberculose. La Vierge Marie est en effet apparue à Bernadette Soubirou à Lourdes en 1858 dans la grotte de Massabielle. La jeune adolescente de 14 ans y creusera un trou d'où jaillira une eau qui aurait contribué à 69 guérisons miraculeuses aujourd'hui reconnues par l'Église. En 1960, les deux guerres mondiales sont terminées, les maladies les plus graves se guérissent. La prochaine urgence est donc bien de préserver une foi en danger. C'est cela que Lucie a tenté de communiquer toute sa vie. La situation actuelle semble nous faire comprendre que ce message n'a pas été perçu correctement. Trop de conservatisme, pas assez de foi. Qui sait ? La Vierge Marie viendra peut-être nous revoir prochainement. On peut même imaginer aisément à qui elle s'adressera. Elle prend toujours des enfants qui ne savent pas encore lire ou qui parlent de patois. C'était d'abord toujours à des jeunes, à des enfants, des adolescents, hein, à Lourdes, donc Bernadette Soubirou qui a 14-15 ans au moment des apparitions. À Fatima, c'est trois enfants qui ont respectivement 10 ans, 9 ans et 7 ans. À la Salette, c'est aussi des enfants. Des jeunes de milieux extrêmement modestes qui ont l'innocence, la pureté, la naïveté aussi de l'enfance. Et donc, ils n'inventent pas, ils répètent ce qu'on leur aurait dit d'en haut, un ange, une dame, etc. Le prochain message sera donc délivré à des enfants, car la Vierge Marie reste la mère de l'humanité. Allô encore, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est clair? Quel que soit le lieu de ses apparitions, la Vierge Marie a une responsabilité envers l'humanité. Plus que jamais, le message de Fatima reste actuel. Le pape François l'a dit récemment, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Par morceaux. Par le terrorisme. Par la crise économique. C'est un message qui vient remettre en cause nos prétendues certitudes que la vie humaine vaut pour le pouvoir et l'argent. Ça répond quelque part à une angoisse, à une anxiété. Et ça rassure que la Vierge viennent s'intéresser et s'occuper de ses enfants. Dans une église en perte de foi, la Vierge Marie propose de la prier pour ne pas l'oublier. Ne pas oublier qu'un jour, nous allons la rejoindre. Le message, il est spirituel. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où la mort n'existe pas. Effacer le vieillissement, effacer l'âge, et techniquement, on veut effacer notre propre mort. La Vierge essaie de nous prévenir qu'il faut également préparer l'autre vie. Même si Lucie a échoué dans la communication de son message aux différents papes, elle a réussi à sanctuariser son village natal. La boucle est bouclée. Lucie voulait prier dans une région qui devenait athée. Elle a amené à Aljustrel non seulement l'Église, mais aussi des fidèles par millions. On considère qu'il y a plus de 6 millions de pèlerins qui viennent chaque année, et qui viennent surtout pour le 13 mai, qui est la date anniversaire de la première apparition. Fatima au Portugal est aujourd'hui un sanctuaire mondialement connu. C'est un lieu de pèlerinage comme tous les lieux de pèlerinage, tous les sanctuaires mariaux. Mais c'est surtout un lieu où on vient se confesser, où on vient retrouver la paix du cœur en particulier. Les personnes viennent à Fatima par dévotion, parce qu'elles croient.
Il y a une différence entre être catholique et croire en Fatima. Ce n'est pas exactement la même chose. Et Lucie a réussi à exporter son village de Fatima à travers le monde. On aura, par exemple, des paroisses Notre-Dame de Fatima, des séminaires dans le monde entier, y compris en Afrique. Ce message-là, il a traversé les siècles et il a traversé les océans ou les déserts. C'est ça l'important. L'Église semble commencer son changement. Aux hommes désormais de commencer le leur. Si on veut un changement de l'humanité dans le bon sens, entre guillemets, vers plus de paix, plus de justice sociale, etc., il faut que chacun s'y mette. Ce n'est pas en attendant que l'autre change qu'on va changer le monde. Jusqu'au prochain message de la Vierge, qui, espérons-le, sera plus écouté que celui transmis à Sœur Lucie il y a déjà 100 ans. Allô. Il n'y a pas un lieu spécifique pour prier, adorer, se confier, se confesser, se repentir, le louer. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Il n'y a pas un lieu spécial que tu vas pour faire ces choses. Non, il n'y a pas ça. C'est la parole de Dieu. Jésus, lui, il te dit, voilà comment tu dois procéder. Jean chapitre 4, verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous devez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu n'es pas obligé d'aller dans un lieu spécial pour l'adorer, machin. Dire que le meilleur endroit pour l'adorer, c'est aller dans ce lieu de pèlerinage à Fatima. Non, parce que Dieu te dit que pour l'adorer, les vrais adorateurs sont en esprit et vérité. En esprit, ça veut dire qu'en esprit, parce que quand tu pries, tu es connecté à l'Esprit de Dieu, ton esprit et l'Esprit de Dieu fait un grâce au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Donc, tu es connecté à son esprit, donc c'est en esprit. Et en vérité, parce que quand tu te connectes à lui, il faut en vérité à la parole de Dieu. Tu dois fonctionner selon la parole de Dieu. Donc, quand tu fonctionnes selon la parole de Dieu, tu l'adores en vérité. Mais si tu le pries déjà, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bon, déjà tu ne peux pas le prier en esprit, voilà, parce que tu n'as pas la connexion, tu pries dans le vide. Et en vérité, si tu as l'Esprit de Dieu et tu ne le pries pas en vérité, eh bien, voilà, tu n'es pas un bon adorateur. Parce que pour l'adorer, tu dois être vrai devant Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne dois pas faire semblant. Voilà, c'est en esprit, connexion, et être vrai devant Dieu. C'est ce que Dieu demande. Il ne te demande pas d'aller à un endroit spécial et aller l'adorer. Tu n'es pas ni en vérité, c'est-à-dire en vérité, c'est si tu ne fonctionnes pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas en vérité, tu n'es pas vrai devant Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Si Dieu te dit il ne faut pas faire de l'idolâtrie, il ne faut pas adorer d'autres personnes, et tu adores une autre personne comme la Vierge Fatma, tu n'agis pas en vérité. Tu n'es pas vrai. Parce que tu n'es pas conforme, tu ne te conformes pas à ce que Dieu te dit. Nous consolions votre cœur et le cœur de Jésus, et nous sauvions beaucoup d'âmes. Ô Marie, sois notre refuge et le chemin qui nous conduira jusqu'à Dieu. Allô, psaume chapitre 46, verset 1, des fils de Corée sur Alamot, voilà, cantique. Dieu, YHWH, est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi aller s'adresser à une idole, à un ange? Pourquoi remplacer Dieu? Parce que le refuge, c'est Dieu. Donc voilà, le refuge, il n'est pas en la Vierge Fatma.
Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc là, on nous apprend en fin de compte que ce qui purifie en fin de compte, c'est la parole de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Et le sang de Jésus, lorsqu'on confesse nos péchés. C'est ce qui te sanctifie, c'est ça. Le rosaire ne peut pas sanctifier un chrétien en aucun cas. Le rosaire ne peut pas sanctifier un chrétien en aucun cas. Le rosaire, c'est un mélange de Notre Père avec un peu de « Je vous salue Marie », avec une autre prière que j'oublie là. Ce sont des récitations de même prière pendant un certain temps. La sanctification commence par la parole de Dieu, qui t'amène, une fois touché par le Saint-Esprit, à une repentance sincère. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Elle agit puissamment à travers ceux qui sont animés par l'Esprit, nés de nouveau. Lorsqu'il prêche. L'Esprit de Dieu, à travers sa parole, se rapproche de toi, parle à ton cœur, même un converti, lorsque tu lui fais lecture. La repentance t'amène à accepter sa parole et t'engager dans les eaux du baptême pour que Dieu efface tes péchés une fois pour toutes. Les épreuves, le désert, t'aident à appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu t'aide à voir tes défauts, tes faiblesses et à lui demander pardon pour une sanctification encore et encore. Ayant déjà accepté le sacrifice de la croix, le sang de Jésus-Christ par le pardon, la confession de nos péchés nous lave encore et encore. C'est comme ça que tu as une sanctification. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, là, on te dit Fatma, est le chemin pour amener au Père et tout ce qu'il vient de dire là. Non! La parole de Dieu te dit que c'est Jésus le chemin, c'est pas la Vierge Fatma qui est le chemin pour arriver au Père. À l'âge de vos 12 ans, vos parents vous ont dit que vous alliez à une cérémonie d'intronisation au Vatican. Oui. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'y est passé? D'accord, ce n'est pas facile d'en parler comme vous vous en doutez. Elle, c'est une ex-Illuminati. Donc, une ex-Illuminati, c'est ce que les Illuminati, c'est ce qui dirige le monde. Il y a deux sortes d'Illuminati. Il y a les Illuminati qui sont ceux qui dirigent le monde parce qu'ils ont des grandes finances. C'est eux qui ont tout l'argent. Voilà. Et il y a une autre sorte d'Illuminati, c'est des Illuminati qui dirigent par des puissances occultes. Donc voilà, c'est ceux qui dirigent le monde par des puissances occultes. Voilà. Et par la magie, tout ça. Donc, il y a deux sortes d'Illuminati. Donc, les vrais, ceux qui dirigent concrètement le monde, c'est ceux qui ont les puissances occultes. C'est eux les vrais Illuminati. Après, il y a les Illuminati, ceux qui dirigent le monde parce que c'est eux qui ont toutes les finances. Donc, voilà. D'accord, ce n'est pas facile d'en parler comme vous vous en doutez.
À 12 ans, j'ai été transporté en Allemagne à ce que j'appelle. De German Vaterhaus, machin comme ça. Il y a eu des préparations pendant quelques jours à l'avance. Et on m'a dit qu'il y aurait une cérémonie très importante. Ce moment était considéré comme un scellement. On m'a dit clairement ce que je devrais faire pendant cette cérémonie. Quand nous sommes arrivés, nous sommes passés par le Vatican. Sous le Vatican, il y avait une grande zone, je vous en ai parlé auparavant. Ce sont des catacombes disposant de 13 chambres. Lorsque vous descendez par étapes, vous pouvez voir que c'est circulaire. Tout est arrondi. Ils mettent en évidence des momies dans chacune des 13 chambres. En disant ceci, est l'esprit des pères qui observe la cérémonie. Lors de la cérémonie, il y avait une grande table au centre de la pièce. Et au-dessus de cet énorme pentagramme d'or, là se tenait la cérémonie. Combien d'autres enfants étaient présents afin d'être intronisés dans l'ordre ou la famille, comme ils disent? Il y avait deux autres enfants, mais il y avait plusieurs adultes. L'Église demande également aux adultes de jurer leur allégeance. On m'a dit, je ne sais pas si cela est vrai, que si vous voulez passer à une certaine position dans la hiérarchie de l'Église catholique, vous devez passer par cette cérémonie aussi. Donc vous êtes dans cette salle, vos parents n'étaient pas présents. Non, le père allemand et le père français étaient là. À ce moment-là, dites-nous ce dont vous avez été témoin. Il y avait cette table au centre de la salle, elle était minérale, très brillante et noire. Peut-être de l'obsidienne ou de l'onyx, je ne sais pas, c'était la première fois. Je voyais une pierre comme cela. Aux angles, il y avait ces canaux dorés pour recueillir les fluides. Un petit garçon a été placé au centre de la table. Il semblait drogué. Je pense qu'il était drogué car très calme, ne bougeait pas, ne pouvait pas, ne parlait pas. Il s'agissait d'un enfant de 3 ou 4 ans, c'est bien cela, oui. Puis ils ont continué cette cérémonie de sacrifice d'enfants. Oui, ils l'ont fait, je vous en ai parlé déjà avant, oui. Quelle expérience incroyable pour un enfant de 12 ans. Que s'est-il passé dans votre esprit après cela?
En fait, ils ont sacrifié l'enfant, ils l'ont tué, quoi, en fait. Hein. Ce qu'elle dit, c'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? J'étais terrifié, je veux dire absolument horrifié. Je ne peux pas décrire la terreur par laquelle vous passez. Lorsque vous vivez une chose pareille, vous rappelez-vous des paroles qui disaient ce qui se passait? L'homme vêtu en écarlate parlait en latin. Il a dit quelque chose du genre: s'il vous plaît, acceptez ce sacrifice à ce jour. Tout ça se passe en bas du Vatican, hein, en bas de la plateforme du Vatican. Puis il dit que ce sacrifice sera le sceau de la cérémonie. Et le Vatican, c'est ce qui dirige l'Église catholique. Puis il a fait. J'étais tellement terrifié. Avez-vous été dans une situation où votre cœur bat en chamade, mais où vous ne pouvez rien faire, vous êtes juste resté assis là? Complètement désemparé. Je me souviens, étant jeune, avoir été effrayé, mais je ne pense pas avoir déjà connu quelque chose comme cela. Imaginez votre rythme cardiaque jusqu'à environ 220 sans pouvoir bouger. Vous tremblez, mais vous essayez de ne pas le montrer. C'était horrible, je me répétais dans ma tête. Je ne peux pas attendre jusqu'à la fin, je ne peux pas attendre. Vous ne la dites pas, mais vous le répétez à l'intérieur encore et encore. Ensuite, l'homme en rouge écarlate qui avait un énorme anneau d'or à sa main. Est venu au centre de la salle. Chacune des personnes présentes devait venir s'agenouiller devant lui. Et baiser son anneau et jurer son allégeance à l'ordre nouveau. Au nouvel ordre mondial jusqu'à sa mort. À ce moment-là, vous êtes accompagné hors de la salle. Oui, la cérémonie se terminait là, les autres personnes devaient donner leur allégeance également. Et ils avaient le même âge que vous. Les deux enfants, oui, mais il y a eu aussi trois adultes à s'agenouiller. Ensuite, on nous a dit lentement et précisément que la même chose, ou pire encore, nous arriverait si nous brisons le serment d'allégeance. Imaginez à cet âge-là ce que cela peut faire. Vous n'étiez pas vraiment préparé pour cela, l'étiez-vous? Vous avez parlé d'une cérémonie, mais vous ne vous attendiez pas à cela, d'après ce que j'ai compris. Cela a été très difficile à traverser. Simplement parce que le sentiment de pression là-bas est le pire que j'ai connu. Je suis passé par des cérémonies dans ma vie d'Illuminati. Vous passez par là. Mais je dois dire que cette expérience était la pire, juste parce que je ne peux pas expliquer le niveau d'obscurité de cet endroit. Le mal à l'état pur.
golden ring on his hand, and he came over to the center of the room, and he had each of the people that were. Ce n'était pas seulement ce qui s'est passé, c'était cette oppression. Je suis aujourd'hui chrétienne et je sais faire la différence entre le moment où le mal est présent, cette oppression, et le moment où l'amour de Dieu est présent, la joie et la paix. C'est exactement le contraire dans cette salle. Vous savez ce que je trouve de très intéressant à ce sujet? Il y a 25 ans, j'étais rédacteur pigiste à Rome pendant 6 ans. J'ai beaucoup marché dans le Vatican des centaines de fois. J'ai couvert des adresses papales, des choses comme ça, À cette époque, il y avait eu un scandale au Vatican, impliquant la banque de l'Église, des membres Illuminati, des francs-maçons. J'ai été approché par une femme, Maria Vendita, je n'oublierai jamais ça. Rome est une petite ville. Les gens savaient que je m'intéressais aux sociétés secrètes, ce genre de trucs. Car je devais questionner les gens. Cette femme est venue à moi et m'a raconté des histoires similaires. Elle n'était pas aussi précise que vous, car elle s'effondrait en sanglots très vite. Elle a tenté de se suicider deux fois, car elle ne pouvait pas sortir de la secte. Elle était membre, née dans une riche famille du nord de l'Italie. Elle m'a dit que cette même cérémonie avait eu lieu pour elle aussi. Well, this woman came up to me and told me similar stories. She wasn't quite as. Donc quand j'ai commencé à vous parler, je voulais vous relater cela. And had tried to commit suicide twice because she couldn't get out of the Illuminati. She was a member. Mais aussi dire à mes auditeurs que j'ai entendu parler de cela il y a 25 ans. Very wealthy northern Italian family. And she told me une femme nommée Maria et plusieurs autres personnes à qui j'ai parlé en Italie. And so when I started talking to you, I wanted to relay that to you and to also relay to my listeners that I heard je n'ai jamais été en mesure de vraiment localiser cela. A woman by the name of Maria and many other people, several other people. Probablement pour ma propre sécurité. I was never able to mais encore une fois, ici, Svali corrobore une histoire que j'ai entendue il y a 25 ans. After this break. This incredible story about a member of the Illuminati. Nous allons revenir après une pause sur cette incroyable histoire d'une ancienne Illuminati. Okay. Membre d'Illuminati aujourd'hui sorti de la secte, sain et sauf, par la grâce de Jésus-Christ. Allô. Donc là, c'était une ex-membre des Illuminati, tout ça. Et la parole de Dieu te dit que. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc toi, si tu es pris dans un piège, ou bien tu es, depuis ton enfance, tu es dans un piège comme ceci, ça veut dire que tu es enfermé dans un truc qui est vraiment négatif, qui ne t'emmène pas au paradis, mais plutôt en enfer, qui t'emmène sur des choses vraiment négatives et tu veux en sortir. Eh bien, la parole de Dieu te dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est dans Romains, attends, je te dis ça tout de suite. Romains 10, chapitre 12, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, il ne s'agit pas de...
être sauvé, bon, ok, être sauvé pour l'avenir, tu vois, pour être sur le chemin de Dieu, après te mettre en règle avec Dieu, être sur le chemin de Dieu, après ça, pour être sauvé, pour être la vie éternelle. Mais ce verset-là te parle tout simplement avant d'être sauvé, avant d'être mis sur le chemin du salut. Si tu as un problème quelconque, on te dit que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que si tu connais le nom de Jésus-Christ, si tu sais que Jésus-Christ est sauveur et que tu y crois, et que tu es dans des difficultés, que tu es pris sur une emprise, quelque chose où tu veux en sortir, ou que tu sens que ces personnes sont d'un niveau si supérieur, vraiment négatif, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ces choses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu crois en Jésus-Christ, que Jésus-Christ peut te sauver, que Jésus-Christ est Dieu, tu fais une prière et tu cries Jésus-Christ, aide-moi, Jésus-Christ, délivre-moi, Jésus-Christ, aide-moi à sortir de ces choses. Et Jésus-Christ, il est vivant, il va agir. Peu importe où tu es, l'endroit où tu es, Jésus-Christ va agir, va venir te chercher, va te délivrer des mains de ces gens-là. Car Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Il est écrit dans sa parole. Donc, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé de l'emprise où tu es en ce moment, mais tu seras sauvé par la suite, si tu restes accroché à la parole de Dieu après. Tu seras sauvé pour la vie éternelle. Mais là, ce verset-là consiste à, si tu as une difficulté quelconque, tu es à un endroit, tu n'es pas converti ou peu importe, mais tu as été dans des choses négatives et tu veux en sortir, ben ce verset-là, c'est pour les personnes comme ça avant tout. Tu comprends ce que je veux dire? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur se sera sauvé. Peu importe où tu es, peu importe qu'il y a 10 000 puissances occultes qui te maintiennent captif, si tu connais le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Car Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Tu comprends ce que je veux dire? Tu mets ta foi en lui, tu crois en lui, et tu seras sauvé. Il va te délivrer et tu vas pas comprendre, parce que Jésus est au-dessus de tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tu comprends ce que je veux dire? Tous ceux, sans exception, même toi, tu es Illuminati, tu étais un ex-Illuminati, franc-maçon, peu importe la catégorie de l'obscurité que tu es, pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut croire déjà pour que ça puisse marcher. Tu dois croire en Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois croire que Jésus peut te délivrer et tu appelles Jésus-Christ et il va te délivrer. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc moi, je te lance ce message aujourd'hui. Si tu entends ce message, là, tu as entendu que Jésus-Christ peut te délivrer. Tu comprends ce que je veux dire? Et comment croit-on Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc là, je t'en parle, Jésus-Christ peut te sauver. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Tu comprends ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, par cette vidéo, tu sais que, peu importe, comme cette fille-là qui était un ex d'Illuminati, elle s'est en sortie parce qu'en fin de compte, elle a placé sa foi en Jésus-Christ. Et par la suite, après, Jésus-Christ lui a tracer le chemin pour qu'elle puisse devenir chrétienne, pour qu'elle puisse être née de nouveau, pour qu'elle puisse recevoir le Saint-Esprit. Et là, toute cette bande d'Illuminati, francs-maçons, toutes ces puissances occultes-là, ils sont obligés de te laisser tranquille. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils cherchent, dès que tu restes accroché à la parole, dès que tu vis selon les instructions de la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible, dès que tu restes sur ça, sur ce fondement-là, ils peuvent rien te faire. Parce que s'ils cherchent à te faire quelque chose, Dieu va les frapper, Dieu va casser leur organisation. Et comme ils veulent pas que leur organisation soit cassée, ils vont te laisser tranquille. Tu comprends ce que je veux dire? Comme cette ex-Dieu de membre d'Illuminati, ils l'ont laissé parce que sinon ils auront affaire à Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Alors voilà, toi aussi, si t'es une Illuminati et tu veux en sortir, ou un franc-maçon, ou t'es dans des puissances occultes, magie et tout, rose-croix, peu importe. Tu peux en sortir si tu as la foi en Jésus-Christ et tu l'appelles, tu pries à Jésus-Christ, tu l'appelles, tu invoques son nom, tu dis Jésus-Christ, aide-moi. C'est simple. Jésus-Christ, aide-moi, je crois en toi,
Il est écrit dans ta parole que si on croit en toi et qu'on nomme ton nom, on sera sauvé. C'est simple. Tu crois, tu me places ta foi en lui, peu importe où tu es, tu vas être sorti de là. Je te dis, parce que Dieu, s'il y a un endroit très fond où personne, il ne peut pas envoyer ses enfants pour t'aider, sache que Jésus-Christ peut t'envoyer ses anges t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Sache que Jésus-Christ peut venir lui-même t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, sois béni. C'est le titre de franc-maçon du 32e degré. Les francs-maçons adorent les grands titres pompeux. Ils adorent les grands titres pompeux. Ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux. Là, il parle des francs-maçons. Ils ont des titres comme maître parfait, très excellent, maître. Super excellent maître. Comme s'ils avaient un problème d'estime de soi. J'aimerais que vous remarquiez certaines choses dont je parlerai, que je rappellerai plus tard. Vous noterez l'œil qui voit tout en haut, ainsi que la devise Ordo, Abe, Chao, Kao. Nous approfondirons cela plus tard. Après avoir traversé tout cela, j'étais devenu digne. J'étais prêt à devenir un haut membre du satanisme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que j'ai dû vendre mon âme au diable. J'ignorais que le diable la possédait déjà. C'est une petite cérémonie que le diable apprécie. J'ai dû signer mon nom sur le contrat avec du sang. J'ai dû signer mon nom dans le livre noir. Le contrat était que j'obtiendrais 7 années durant lesquelles le diable me donnerait tout ce que je veux, vin, femme, chanson, drogue. Pouvoir, quoi que ce soit. Pouvoir aussi, ouais, quoi que ce soit. Tout quoi. Et à la fin de ces 7 années, il me tuerait et m'emmènerait en enfer. Quelle bonne affaire. Qui veut signer? Vous devez comprendre une chose. La doctrine satanique est que l'enfer n'est pas ce que nous pensons. Ou ce que la Bible nous enseigne. La doctrine satanique enseigne que l'enfer est une incroyable fête. C'est comme une orgie éternelle. Donc vous fumez de la drogue, vous forniquez, vous écoutez du rock'n'roll pour l'éternité. C'est une fête d'enfer et nous disent que le paradis est un endroit où les losers, incapables de supporter l'extase sombre et violente de l'enfer, se retrouvant afin de jouer de la harpe pour l'éternité, pour l'éternel Dieu des armées, et s'ennuie énormément. Cela ne donne pas envie et nous pensions donc que l'enfer était meilleur. Voilà donc à quel point j'ai été trompé. Je me suis de plus en plus impliqué dans toutes ces choses. J'ai fait signer à plus de personnes le contrat pour vendre leur âme au diable. J'ai honte de le dire aujourd'hui. Mais cela se produisait continuellement. Pour résumer, avant de pouvoir poursuivre la prêtrise du satanisme, je devais faire signer à 7 personnes la vente de leur âme au diable.
De plus, je devais également, et cela pourrait vous étonner, devenir un prêtre catholique. Je devais revenir à mon vocation originelle. Car vous ne pouvez pas devenir un prêtre sataniste avant d'avoir être un prêtre catholique. Vous entendez? Et si cela vous étonne, je vous suggère la lecture d'une certaine littérature médiévale. Vous verrez que c'est bien le cas. Donc, on ne peut pas être prêtre catholique de carré dans le Vatican si tu n'es pas un sorcier, en fin de compte, un prêtre sorcier. Par contre, il y a des prêtres qui ne sont pas dans ça, tu vois, mais la plupart sont dans ça. Donc, heureusement ou peut-être malheureusement, j'ai trouvé un évêque de l'ancienne église catholique de Milwaukee qui était d'accord. Pour m'ordonner prêtre si je leur donnais prêtre sorcier en échange. C'était donnant-donnant. Un peu comme cela qui se passe à la Maison Blanche. Sauf que je n'ai jamais pu dormir dans la chambre de Lincoln. Parce qu'en fin de compte, le prêtre, ce prêtre-là, il est comme celui-là, il est au niveau de satanisme, et il peut grader le soi-disant prêtre. Il voulait être prêtre catholique, et l'autre voulait être gradé dans le satanisme. Et comme lui, il est gradé, c'est lui qui veut devenir prêtre, il peut grader le prêtre normal. I was ready to become involved in hardcore Satanism. What did that mean? Well, that meant I had to sell my soul to the devil. I didn't know that the devil already had it. Quoi qu'il en soit, j'ai été consacré prêtre catholique. Et ensuite, plus tard, j'ai été en relation avec le patriarche de l'Église catholique, Gnostic de Chicago. Then at the end of those 7 years, he got to kill me and take me to hell. Voici mon certificat de consécration en tant qu'évêque de l'Église catholique gnostique. Remarquez plusieurs choses importantes. L'une d'entre elles est qu'il s'agit du rite ancien et primitif. Primitif de Memphis. Would just sit up there and strum on a dang harp for all eternity and just be bored, en français, silly. Et je m'en excuse. So, bad scene. We thought hell was better. So this was how deceived I became. Le certificat est reproduit dans mon livre. More and more involved in these various things. Lucifer détrôné, si vous voulez le voir et le traduire. To sell their souls to the devil. I'm ashamed to say that now. But continually this was happening. Le rite de Memphis Misrem est un rite maçonnique dont la plupart des francs-maçons ignorent même l'existence. Excuse me. I had to get 7 people to sell our souls to the devil. The other thing I had to do, and this might astonish some of you, is I had to become a Catholic priest. I had to go back to my original vocation. Je suis monté jusqu'à 90e degré. Donc là, ça veut dire qu'il a 3 fois ce que les francs-maçons ont. Parce que pour être un franc-maçon au niveau, il te faut 32 degrés. Donc là, il a 90 degrés, donc il a presque 3 fois ce que les francs-maçons de très haut. Or maybe unfortunately, I had discovered a bishop of the old Catholic ici en bas qu'il est écrit que j'ai été consacré grand maître de l'ordre du temple. It was sort of a quid pro quo thing, kind of like what's going on at the White House these days. C'est le 90e degré. I never got to sleep in a Lincoln bedroom. But anyhow, à la même époque, j'ai également été consacré évêque auxiliaire de l'Église catholique gnostique de Milwaukee.
Later on, I got involved with the patriarch of the Gnostic Catholic Church down in Chicago. J'étais donc hyper préparé, j'étais chargé à mort. J'avais traversé toutes ces puissantes, initiations et je comprenais toutes ces puissantes expériences. Et tout ceci m'a permis de régner sur l'abîme. C'est un terme occulte. Je n'ai pas le temps d'en expliquer la signification complète, seulement de dire que lorsque vous régnez sur la Bible, vous avez occultement progressé par des cérémonies magiques. Et vous transcendez le bien et le mal. Vous êtes au-dessus de ces petites considérations de bien et de mal, vous êtes au-delà de la moralité. Et vous devenez essentiellement un Dieu vivant sur terre. Donc voilà, lui c'était un ex-Illuminati. Et comme je vous disais, c'est qu'il y a les Illuminati, il y a les Illuminati qui sont, qui gouvernent parce qu'ils sont des énormes finances, ils sont beaucoup d'argent et c'est eux qui dirigent le monde. Mais il y a l'autre partie qui est des... Comme lui, c'était un ex-Illuminati, mais pas parce que il avait beaucoup d'argent, mais parce qu'il était puissant dans les sciences occultes. Donc les vrais Illuminati, en fin de compte, ce sont ceux qui sont puissants dans les sciences occultes. C'est eux. C'est eux vraiment qui dirigent. Même ceux qui sont Illuminati, qui ont les finances et tout, là-bas, on a Rothschild, ou je sais pas, j'oublie leur nom, j'oublie leur nom. Même ces gars-là, ils ne le savent même pas, mais c'est pas vraiment eux qui contrôlent. C'est ceux qui sont, ils ont les puissances occultes qui contrôlent. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus é só. Alors, à votre avis, qui c'est? Maria. Marie. C'est Marie. Comme par hasard, c'est Maria qui a répondu Maria. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Vraiment, vraiment. Parce qu'on sait que c'est Maria. Mais comment la statue, elle s'appelle? Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Alors, Thiago, il va vous expliquer pourquoi. Ah bon? Elle s'appelle comme ça. Non, d'abord, oui. Je voulais mettre des images. Je mets des images. Est-ce que vous reconnaissez ce truc? Ça. Par exemple, est-ce que c'est un endroit où vous êtes déjà allé? Tu peux m'aider? Oui? Qui a dit oui? C'est quoi? Alors, c'est au Portugal. Ça commence par un F, ça finit par un A. Dis des lettres. Ah, oh, Fatima. Bah oui. Ah, quand même. T'as déjà été là-bas? Oui, quand j'étais petite. Quand t'étais petite. Et les autres? Non. Vous avez jamais été? Moi, j'étais. Ah, quand même. Je rajoute cette image. Est-ce que vous l'avez déjà vue, cette photo? Oui. C'est une photo. Oui. Vous savez qui c'est? Non. Jacinto, Francisco et Lúcia. Ouais. Exatamente. Jacinta, Francisco et Lúcia. Comme par hasard, c'est au Francisco qui répond à la question. Non. Et alors, c'est qui, ces trois enfants? C'est des enfants. On les appelle aussi os três pastorinhos. Et toi, Francis, tu connais pas l'histoire? Ben, on va vous raconter. Ça s'est passé il y a presque 100 ans. Presque. Il y avait três pastorinhos qui étaient en train de garder as ovelhas no campo.
Et là, donc ils étaient tout seuls hein, dans les champs, il n'y avait pas de maison autour. Et là, ils ont vu, ils ont entendu un grand bruit de tonnerre. Et donc là, ils ont vu quoi ? À votre avis ? C'est pas très difficile, hein, si vous réfléchissez un tout petit peu. Ils ont vu Nossa Senhora de Fátima, comme ça. Bon, en plus grand, comme ça. À votre avis, qu'est-ce qu'elle est venue leur dire ? Elle est venue leur dire plein de choses. Mais il y a une chose très importante qu'elle aimait beaucoup faire et qu'elle veut que tout le monde fasse. Dis-moi. Prier. Voilà, elle est venue dire Rochepostulin de prier. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Francis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prié. Ils ont prié, encore plus qu'avant. Parce que je peux souligner que j'ai prié déjà beaucoup. Mais après que Marie soit apparue, quand je peux souligner, ils ont prié encore plus. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont fait ça ? Francis ? Pour être amis. Voilà, pour être encore plus amigos de Jesus. Est-ce que quelqu'un sait comment on utilise ça. On le met comme ça. Non. Non. Il y a 10, quand on commence par là, il y a 10 petites boules. 10. Chacune d'elles représente un Ave Maria. Donc par exemple, vamos rezar un Ave Maria, c'est cette boule-là. Après la deuxième, et on avance. Il y en a 10. Quand rezamos 10 Ave Maria, ensuite il y a une grosse boule. C'est au Pai Nosso. Ok ? Et après au Pai Nosso, ça reprend des petites boules. Donc, Ave Maria, Sainte Marie, Ave Maria, Sainte Marie. Il y en a 10. Et encore au Pai Nosso. Et ainsi de suite. Et au final, il y en a combien d'Ave Maria ? 10. 9. Il y en a 50. 6. 50. Le chapelet est comme une berceuse. C'est se remettre dans les mains de notre mère pour vivre cette expérience de tendresse, de confiance. C'est pour ça que la répétition nous aide à entrer, à donner du temps. Parfois, nous pensons que prier, c'est s'expliquer, dire des choses. Non, prier, c'est surtout donner du temps et après vivre une présence. Ce caractère répétitif de la prière du chapelet nous permet de faire ça. Personnellement, je suis très attaché à Fatima, à Notre-Dame de Fatima, notamment au rosaire. J'ai du mal à dire terzo en français. Chapelet. Le chapelet, voilà. Pour moi déjà, c'est une vierge un peu spéciale. Parce que pendant longtemps, pendant mon enfance, c'est un peu la seule dont j'ai entendu parler, la seule que je connaisse. Voilà, et puis encore, ce fait qu'elle soit apparue au Portugal, c'est un peu spécial pour moi. Pour moi aussi, c'est pareil. Pour tout le monde, je pense que elle est spéciale pour tout le monde. Enfin, comme dit Thiago, c'est compliqué quand on est petit de comprendre qu'elle a apparu plusieurs fois et à plusieurs endroits. Donc c'est pour ça qu'on n'entend vraiment parler que de celle-là, et c'est celle-là qui nous reste, à qui on est le plus attaché. Allô ? Donc ils disent que c'est celle-là qui leur reste, la Vierge Fatma. Et Dieu, il n'existe pas. Jésus-Christ, vous n'avez pas entendu parler de Jésus-Christ ? Donc, pourquoi s'attacher à la Vierge Fatma? Pourquoi s'attacher à un ange? Or, le Sauveur, c'est Jésus, c'est Dieu le Sauveur. Osée, chapitre 4, verset 5. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Donc, vous oubliez Dieu et voilà, leurs enfants après, ils sont égarés parce que leurs parents ont oublié, ont mis Dieu à côté pour croire à l'histoire de la Vierge Fatma, qui fait qu'après, eux aussi, leur truc, c'est le chemin, c'est la Vierge Fatma. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et après, avant ça, il te dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Comment je veux dire? Il leur manque de la connaissance. Et le manque de connaissance leur emmène vers des choses qui ne viennent pas La de Dieu. suite. On est là dans une communauté, mais il faut aussi être dans la vie de la cité. C'est quand même très important. Il y a cette invitation dans l'évangile ou ce qu'on appelait la théologie sociale de l'Église, mais il faut peut-être le dire et le redire. On est ici dans le pays, pas pour jouer les Portugais, mais pour être des citoyens avec cette particularité d'être lusophone, d'avoir cette particularité d'une foi particulière à Marie, à Notre-Dame de Fatima, mais d'être citoyen, citoyen du monde et citoyen dans sa ville et dans son État. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je dois faire une vidéo d'avertissement. Donc là, je vais être très clair avec vous. Si vous vous amusez à prier Marie, vous passez pour des idolâtres aux yeux du Seigneur. Et vous passez pour en même temps des chrétiens hypocrites. Vous lisez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, quand les Israélites, quand le peuple de Dieu s'amusait à prier pour des statues, pour des dieux qui n'existaient pas, il y avait des malédictions qui s'abattaient sur le peuple d'Israël. Parce que Israël, Dieu, dans sa colère, il laissait les nations ennemies envahir Israël, les asservir, et puis après, le peuple d'Israël était obligé d'être obéissant au Seigneur pour être à nouveau délivré, pour retrouver sa liberté. Et c'est marqué dans Apocalypse, hein, que les idolâtres vont être jetés dans la Genèse. Et si vous priez Marie, vous passez pour un idolâtre. Marie n'est juste qu'une humaine, n'a absolument rien à voir. Hein. C'est le Seigneur et rien que le Seigneur. Le Seigneur est jaloux. Il est jaloux, il est exclusif, il veut vous être à lui à 100%. Il n'y a pas de compromis. Donc, il m'a même dit dans un songe de ne plus aller de ne plus me mélanger avec des catholiques parce que. J'avais été un week-end distribuer des Bibles dans une église catholique et puis j'ai vu une personne qui boitait, une vieille dame qui boitait. Le Saint-Esprit m'a dit, fait comprendre, en gros, va guérir cette jeune femme, enfin va guérir cette vieille dame. Je vais voir le prêtre, je vais lui dire, il faut que je prie pour cette vieille dame pour guérir son genou. Le prêtre, il m'a dit, non, non, ne fais pas ça, on va avoir des problèmes. Voilà, en gros, il veut pas qu'on fasse de miracle, il veut pas qu'il y ait de guérison. Parce que sinon on va avoir des problèmes, parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'il faut demander l'autorisation à ci, et patati, et patata. Donc en gros, voilà, l'Église catholique, c'est quoi? C'est une sorte de prison. Hein. On prend en otage le peuple de Dieu, hein, on le fait pécher par ignorance, par de l'idolâtrie. Et puis après, les catholiques, ils se retrouvent après au séjour des morts. Et si vous vous souvenez du pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, tout le monde se souvient du pape Jean-Paul II. C'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quel pape. Vous savez où il est aujourd'hui? Eh bien, il est au séjour des morts. Il y a une personne qui a visité l'enfer, qui l'a vu en enfer. Ah, le pape Jean-Paul II. Pourquoi il est en enfer? Parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu se repentir et maintenant il est au séjour des morts. Donc il faut être clair, je dois être clair avec vous. La religion, ça ne sauve pas. Hein. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la sanctification, c'est rendre service à Dieu, et puis se repentir, et puis être baptisé d'eau. Et c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve, c'est ça qui permet c'est de devenir, c'est d'être en nous, d'être un arbre qui donne du fruit. Et ensuite, eh bien, c'est comme ça qu'on hérite du royaume céleste. C'est comme ça qu'on est sauvé. C'est pas en faisant partie d'une religion, en allant à la messe tous les dimanches. Être pris en otage, et puis en plus, je dois vous dire que j'ai vu cette église en dégoût, parce qu'il y a plein de bonnes personnes hein, qui sont dans ces églises, hein, qui sont des personnes, il y a plein de bons prêtres hein, qui prennent leur métier à cœur, il y a plein de pèlerins qui sont fidèles, qui sont des personnes bien intentionnées, mais par ignorance,
ils vont se retrouver au séjour des morts. C'est Dieu qui le dit lui-même. Mon peuple périt à faute de connaissance, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont trompés. Ils sont, l'Église catholique, ça c'est le diable, hein. Il y a énormément d'idolâtrie, il y a énormément de statues. Vous allez dans les paroisses, il y a énormément de statues, il y a des cierges, il y a Jésus qu'on a efféminé alors qu'il ne ressemble pas à ça du tout. Bref, le Seigneur, lui, il a en abomination l'Église catholique. Je dis pas simplement, je ne vise pas, bien sûr, l'Église catholique, je ne vise pas les catholiques, parce qu'il y a plein de bons catholiques qui mériteraient d'être sauvés. Il y a plein de bons prêtres qui font bien leur travail, mais qui servent le mauvais maître. C'est pour ça que bah, j'ai en dégoût cette Église. Parce que il y a plein de personnes qui méritent pas d'aller au séjour des morts. Bon, sur ce, soyez bénis. Passez par la poubelle, comme d'habitude. Débarrassez-vous tout de suite, ça évitera que je fasse le tour après. Quelqu'un d'autre veut se débarrasser? Non? Donc, il en manque? Non? Est-ce que vous savez pourquoi on prie le chapelet? Et en particulier, un peu plus un mal-né. C'était pas juste pour les rouges. E o que aconteceu? O que é isso que os três pastorinhos? O que é que foi isso? Alguém sabe quando é que foi que Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos? Eu dou-vos um andice. O 3 de maio? De 1917. Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos a 13 de maio de 1917. Em Leiria. Em Leiria, em Portugal. E por que será então que nós festejamos com mais intenso e mais intenção o mês de maio e o mês de outubro? Porque em maio havia a primeira aparição, tandis qu'en octobre, ça a été la dernière apparition de la Vierge. On dit adieu à Maria. On dit adieu à la Vierge, dans nos célébrations. D'accord, Cindy. Nossa Senhora aparece a três crianças pequeninas, o que é que ela lhe pode pedir? Para ir trabalhar para o campo? Não. Não? Então, o que seria? O que é que Nossa Senhora podia pedir a três crianças inocentes? Para? Rezar. Para rezar e, em particular, o terço. Rezar o terço. E fazer também sacrifícios. E vocês sabem por que será que Nossa Senhora lhe pediu para fazerem sacrifícios? Para rezarem cada vez mais? Porquê? Para passar o tempo? Não. Então, por que será? Estão muito calavinhas, às vezes falam demais e hoje estão muito calavinhas. Então, Nossa Senhora pediu que rezassem o terço para a conversão dos... De? Dos pecadores. Dos pecadores. Para a conversão dos pecadores e para salvar as almas do... Do? Do inferno, para salvar as almas do inferno. A Senhora aceita o pedido do seu filho, que é Jesus, e o pedido de Deus, e vem aparecer a três crianças para lhes pedir de fazer algo por todos. Mas o que eu vou fazer compreender é como três enfants, eles ont pu. Parce qu'ils avaient la foi. Parce qu'ils avaient la foi. C'est ce qui nous manque à nous, peut-être. Não? Même si. La plupart maintenant des jeunes qui sont ici parlent mieux français que portugais. Pour ce qui est de la prière, de la foi, ça reste en portugais. Et donc c'est difficile d'aller vers vivre la foi en français. C'est pas naturel pour nous. Mais du coup, forcément, ça crée un isolement et c'est pas... Bah, certains d'entre nous, j'en suis certaine, ne savent même pas prier en français parce que c'est tellement pas habituel. Et j'ai l'impression que ça crée encore plus de cette frontière entre la foi et la vie civile de tous les jours, parce que justement, comme la foi est en portugais et que la vie à l'école ou au travail est en français, on a du mal à apporter cette foi dans notre vie quotidienne.
c'est sûr. C'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur tout ce qui est idolâtrie. Voilà, je veux revenir vraiment là-dessus car c'est un sujet très important. Et beaucoup de frères et sœurs s'égarent à cause de ça, à cause de l'idolâtrie. Et j'en passe, donc voilà pour quelle raison je fais cette vidéo sur ce sujet. Donc je vous propose, mes frères et sœurs, d'aller en Apocalypse, chapitre 19, verset 9. L'ange me demanda alors d'écrire « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Et il ajouta « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu, elles sont éternellement vraies et valables. » Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Non, ne fais pas cela, je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères qui sont restés fidèles à la vérité dont Jésus est le témoin. » Tu ne dois adorer que Dieu seul. En effet, la vérité dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Voilà pour quelle raison il ne faut pas prier les saints, il ne faut pas louer les anges, il ne faut pas prier les anges, car ce sont des serviteurs comme nous, les ses enfants sur terre. Voilà, donc si vous priez un ange ou que vous louez un ange, et bien c'est comme si vous priez un homme ou un frère ou une sœur chrétienne. Voilà, ça revient exactement à la même chose, car les anges sont des serviteurs de Dieu. Et on doit uniquement louer Dieu et adorer que Dieu seul. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous propose d'aller en 1er épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Alors, 1er épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, et ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Ces gens-là proscriront le mariage, ils insisteront sur la continence et demanderont que l'on s'abstienne de certains aliments, comme si Dieu n'avait pas créé toute chose pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Donc là, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut faire attention également à tous les faux pasteurs, à tous les faux prophètes, à toutes ces personnes-là, il faut vraiment faire attention. Et lorsque vous avez un doute, demandez à Dieu en priant, demandez par la prière si cette personne-là, un prêtre ou un pasteur, est dans la vérité ou pas. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller en Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Donc, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Donc toutes les personnes qui pratiquent de l'occultisme, qui pratiquent toutes ces choses-là, qui font de l'idolâtrie, repentez-vous, car le salaire de ces personnes-là, c'est la seconde mort, l'étang ardent de feu et de soufre. Repentez-vous et arrêtez de faire ces choses-là, arrêtez de pratiquer, que ce soit l'occultisme, donc que ce soit des tirages de cartes, que ce soit du pendule, que ce soit tout ce que vous voulez, tout ce qui est magie, et évitez de faire ces choses-là, n'en faites pas, car le salaire de ces personnes-là, ceux qui font ça, s'ils ne se repentent pas, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. C'est écrit en Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Maintenant, je vous propose d'aller en 1er épître de Corinthiens, chapitre 10. 1er épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 14. « Pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tout ce qui rappelle le culte des faux dieux. » Je me répète. Pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tout ce qui rappelle le culte des faux dieux. Maintenant, je vous propose toujours en 1er épître Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet, il n'y aura point de départ dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux. Pour les idolâtres, les adultères ou les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels, etc.,
ni pour les voleurs, les avares, les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc on en revient toujours, hein. J'ai lu ce passage parce qu'il nous dit bien, il n'aura point de départ, il n'aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les idolâtres. Tout ce qui est idolâtrie, c'est à bannir. Donc que ce soit les petites statues, de j'en passe, de tout ce que vous voulez, que ce soit les Vierges Marie, il faut pas, c'est marqué dans la Bible, c'est de l'idolâtrie, et il ne faut pas en faire. Sinon, si vous avez pratiqué ça, repentez-vous, mais et arrêtez de le faire, ne le faites plus, car le salaire de ces choses-là, si vous pratiquez ça, si vous idolâtrez Marie, si vous priez les saints, vous priez des anges, vous faites de la sorcellerie, vous faites de la magie, de l'occultisme, tout ça, si vous ne vous repentez pas, le salaire de ce péché, c'est la mort, malheureusement. Donc, je vous invite à vous repentir si vous avez pratiqué de l'occultisme, si vous avez pratiqué toutes ces choses-là, vous avez prié Marie, les saints, repentez-vous devant Dieu, repentez-vous. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller en 1er épître de Timothée, chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, donc, deuxième, non, pardon, 1er épître de Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. C'est-à-dire que quand on prie, donc il ne faut pas prier les saints, il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas prier des anges, toutes ces choses-là sont bannies de Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur pour prier lorsqu'on prie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut bien dire que si on prie, il n'y a qu'un seul chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Toutes vos prières doivent passer par Jésus-Christ. Je vous relis ce passage. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je vous propose d'aller en Actes, chapitre 4, verset 12. Donc Actes, chapitre 4, verset 12. Non. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Dans l'Écriture, il est question d'une pierre mise au rebut par les constructeurs et qui est devenue la pierre la plus importante, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus-Christ, et les constructeurs, c'est vous. En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Je répète, en lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Le salut, on l'obtient que par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. C'est pour cette raison que pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour avoir le salut de Dieu. Voilà pour quelle raison. Et j'avais une dernière chose à vous dire. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir le médecin ou la mère du médecin. Méditez bien sur ce que je veux vous dire. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Nos parents ont eu la religion un peu par tradition, ont voulu nous la transmettre peut-être par tradition, peut-être. Et après, le fait que ce soit une communauté portugaise qui nous rattache à nos racines, ça nous poussait à venir et à approfondir. Et puis, de fil en aiguille, on sait, notre foi s'est affermie. Pour moi, les jeunes que je connais au Portugal, je pense qu'ils s'en sont restés plutôt au foot, et qu'ils ont un peu abandonné Fatima. C'est vraiment pas le même mode de vie. Hein. C'est très du côté de la religion, de la foi. Les jeunes là-bas sont très différents de nous. Mmh. Je suis pas sûre que quand on fait l'option de se dire, tiens, je vais passer ma soirée à Saint-Ouen avec les jeunes, oui, je fais une retraite, un truc comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on prenne conscience que quelque part, ou quelque chose nous chame hoje, et qui tout le monde commun est Jésus Christ. Aquel que nous foi dado no dia do nosso baptisme, le tout début du début du début.
C'est la première porte qui s'est ouverte. Alors, ce soir, vamos ter a possibilidade e vai nos ser proposto de justamente refletirmos sobre o nosso batismo. Qu'est-ce que c'est? Comment je le vis? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour moi? Não sei se vocês sabem toda a data do vosso batismo. Procurem sabê-la. E procurem celebrá-la, festejá-la, quer dizer, de algum modo. Não digo ir para a discoteca. Eu fui batizado, quer dizer, mas não deixar passar esse dia, porque é o dia que fica para sempre. O dia do nosso nascimento, a data do nosso nascimento, perde importância quando a gente morre. Não sei se sabem disso. Um dia vamos morrer, não é? Mas a malta vive como se nunca fôssemos morrer, quer dizer, como se nunca fôssemos fazer essa passagem. Agora, a data do batismo fica-nos para sempre, porque nós vencemos a morte por causa do nosso batismo. E no dia do nosso batismo começamos a viver a nossa eternidade, porque a nossa eternidade é ser em Jesus Cristo, é viver em Jesus Cristo. Dá-nos também... Alors, si ils ont Jésus-Christ, pourquoi la Vierge Fatma doit absolument être adorée ou présente dans leur culte? Pourquoi? Vem em tudo de inglês, pelo amor de Deus. E tu devias ter comido ontem, ao menos. Alexandra, com mais abaixo. Voilà, c'est juste ce qui descend. De rien. Non mais... Christine. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dieu est lumière. Pourquoi allumez-vous des bougies, à part s'il n'y a pas de courant chez vous, chez toi? Ça explique. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné cela? Est-ce que Jésus-Christ a enseigné que pour prier, on doit allumer une bougie? Comme quoi que ça va faire quelque chose et tout? Non! Dieu est déjà lumière, pas besoin d'allumer que ce soit de bougie, à part si chez toi il n'y a pas de courant. Eh ben ouais, tu vas allumer une bougie. Mais s'il y a de la lumière chez toi, pourquoi il faut absolument que tu allumes une bougie? Pourquoi? Est-ce que Jésus a enseigné cela? Par contre, laissez-moi vous dire que les bougies, il y a, comment dire ça, des sorciers, des magiciens qui utilisent des bougies pour que leurs prières à leur dieu ou bien à leur démon ou aux mauvais esprits marchent. Eux, ils utilisent des bougies. Dans leur rythme, dans leurs choses, ils ont besoin de bougies. Les francs-maçons ont besoin de bougies pour faire leur rite satanique. Mais est-ce que Jésus a enseigné qu'on doit allumer des bougies? Est-ce que Jésus lui-même, dans les Écritures, a allumé une bougie pour prier? Est-ce qu'il a enseigné ça à ses disciples?
Donc, au lieu que ce soit Dieu qui soit loué, c'est un culte spécial à l'ange, en fin de compte. Hein. Donc, au lieu que ce soit Dieu qui soit loué, c'est un culte spécial à la statuette présente qui représente l'ange Fatma. C'est vraiment insensé, quoi. Le lien est fort parce que même lorsque les gens sont de retour au Portugal, ils n'oublient pas Fatima. Mes parents qui sont originaires du nord du Portugal, à 370 km de Fatima, c'est un voyage d'aller quand même à Fatima. On y va. Bon, y a des gens qui vont à pied, moi je ne l'ai jamais fait, mais c'est quand même une démarche de foi et une volonté de vouloir faire ce pèlerinage et de faire ce voyage jusqu'à ce lieu. Ce n'est pas que s'il est bon de se retrouver quand on n'est pas au Portugal autour de cette image et lorsqu'on y va là-bas, on l'oublie complètement. Non, non, il y a quand même ce besoin d'y aller et de voir peut-être la vraie, parce que voilà, c'est l'endroit, il est là-bas.
Satan a réussi à avoir une pleine adoration à travers l'ange Fatma. Alors je disais, pour revenir vite fait, je disais que Satan a réussi à avoir une pleine adoration à travers l'ange Fatma grâce à Lucie, qui a œuvré pour lui, avec ou sans son consentement. Et Lucie, comme par hasard, il a choisi Lucie, Lucifer. C'est bizarre. Là, vous avez un culte vaudou. Et regardez ce qui est placé au centre, c'est la Vierge Marie. Un culte vaudou, des rappeurs, une rappeuse chante. Et voilà, c'est Marie qui est placée au centre. En fait, c'est la sorcellerie qu'ils font passer à travers une musique. Afin que les gens qui écoutent cette musique soient affûtés. Et quand tu regardes bien, tu vois que au milieu de cette séance, c'est la Vierge Fatma qui est au milieu de cette séance de photo. Les gens sont possédés. C'est aussi la Vierge Fatma. À la progression de l'occultisme. Parce qu'elle a amené des adeptes à l'adorer comme ça, et ça amène une progression forte dans l'occultisme. Donc, l'œil du qui voit tout, là, qui est au milieu de la pyramide, est associé avec ce genre de monde. Ben là, vous avez un culte vaudou, et regardez ce qui est placé au centre, c'est la Vierge Marie. Donc un culte vaudou où des rappeurs, une rappeuse chante et voilà, c'est Marie qui est placée au centre. Donc en fait c'est de la sorcellerie qu'ils font pour faire passer à travers une musique afin que les gens qui écoutent cette musique soient envoûtés. Et quand tu regardes bien, tu vois que au milieu cette séance, c'est la Vierge Fatma qui est au milieu de cette séance de vaudou. Où des gens sont possédés. Je disais aussi, la Vierge Fatma, c'est un mouvement occulte. Regardez bien, il y a l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout s'associe aussi avec le mouvement de la Vierge Fatma, qui pour dire qu'il y a de l'occultisme là-dedans, c'est... Voilà, c'est de l'occultisme. Les gens qui utilisent l'œil qui voit tout pour savoir des choses sur les gens, pour faire des choses, c'est associé aussi avec la Vierge Fatma. Donc, la Vierge Fatma a participé à la progression de l'occultisme. Parce qu'elle a amené des adeptes à l'adorer comme ça. Et ça amène une progression forte dans l'occultisme. Donc, l'œil qui voit tout, là, qui est au milieu de la pyramide, est associé avec ce genre de mouvement-là. La Vierge Marie. Allô? Pourquoi la statuette de la Vierge Fatma est restée intacte? Parce qu'elle est la mère de Dieu ou parce que Dieu veut faire passer un message? Que c'est à cause de ça, en fin de compte, que c'est arrivé? Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, c'est des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Donc il parle d'idolâtrie, il parle de magie, tout ça. Le mouvement Fatma consiste à vous faire adorer la Vierge Fatma, qu'ils appellent Notre-Dame de Fatima, ou bien la Vierge Marie, ou dans les temps anciens, la Reine du Ciel, ou la déesse Diane, afin d'obtenir des liens occultes sur votre personne, ou sur vos enfants, pour une soumission à venir à l'islam par ces moyens occultes. C'est le plan de l'ennemi, depuis le début, car la Vierge Fatma n'est rien d'autre qu'un démon. Et en adorant ce démon, vous donnez accès au diable et à ses agents. Ce n'est pas un hasard si Fatma et Fatima se ressemblent et que Fatima est un nom musulman. Même si les catholiques font de l'idolâtrie, cependant, ils ont la parole de Dieu quand même entre leurs mains. Même si leurs bibles ont certains rajouts apocryphes qui ne viennent pas de Dieu, et certains phrasés ont été changés de sens qui cassent certaines révélations de Dieu, néanmoins, ils ont quand même la parole de Dieu. Ils adorent quand même Dieu, Jésus-Christ, un peu, et ils croient au sacrifice de la croix, même s'ils n'appliquent pas la parole de Dieu comme il le doit pour être sauvés. Voilà, même s'ils n'appliquent pas la parole de Dieu comme il le doit pour être sauvés. Et là, Satan n'a pas une totale adoration quand c'est comme ça. C'est pour cela qu'il doit les soumettre à l'islam qui renie le sacrifice de la croix en Jésus-Christ et qui n'utilise pas la parole de vérité, la Bible. Et là, il obtient sa totale adoration. Là, le diable obtient sa totale adoration s'il est soumis à l'islam, parce que l'islam, c'est le Coran, il n'utilise pas la Bible. Et le Coran, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces et voilà, qui vient des hommes, qui ne vient pas de Dieu. Donc, témoignage d'une personne que je connais. Étant petit, les parents de cette personne ont offert cette personne à Notre-Dame de Fatima. Croyant qu'en faisant ça, l'enfant va être consacré à Dieu, car pour eux, Fatima est la mère de Dieu. Donc, elle est au-dessus de Dieu. Et si elle est au-dessus de Dieu, elle va faire en sorte que son enfant suive Dieu. Mais malheureusement, ils l'ont su plus tard, Notre-Dame de Fatima est un démon, rien d'autre qu'un démon. Donc, qui dit offert à un démon, dit offert au diable. L'enfant grandissant, il lui est arrivé différents soucis comme une vie normale. Des fois, des soucis très bizarres. L'impression que partout où cet enfant passait, il y avait toujours des confrontations, des gens sans raison qui en voulaient à sa vie. Bref, Dieu lui a toujours fait en sortir et remporter victoire après victoire. Mais à un moment de sa vie, tout chavire, tout bascule. Donc un moment arrivé à un certain âge, l'ennemi réclame ce qui lui a été offert. Mais lorsque l'ennemi essaye avec ses agents de le soumettre, en chouboulant sa vie, en détruisant sa vie, en s'attaquant à sa famille, à ses amis, à son entourage, en faussant son image, en remontant tout le monde contre lui, les autorités et tout, et autres, et à rien à faire, pas de soumission, le degré de foi de l'enfant en Dieu, déjà agit en sa faveur. Et certaines personnes qui l'ont su d'avance ont compris que c'était une injustice, ont combattu pour lui et l'ont protégé à leur manière jusqu'à sa conversion en Christ Jésus. Ensuite, Dieu a pris le relais. Mais cela n'arrive pas comme ça à tout le monde. La plupart sont touchés. Combien de mères, de pères offrent leur enfant à cette Vierge Fatma? Sans savoir, les prêtres ou autres prient pour eux, prononcent des prières maléfiques sur leur vie, qui par la suite ont des conséquences graves, ou parfois jeunes meurent parce qu'ils ont été mis en sacrifice dès leur plus jeune âge à Satan. Laissez-moi vous dire qu'on avait le témoignage d'une ex-illuminati qui disait qu'il y a des choses qui se passaient en bas du Vatican, qu'il y avait des enfants qu'on sacrifiait, mais la plupart des enfants enlevés, la majorité des enfants qui sont enlevés, c'est des enfants qui étaient dans ces choses-là, dans ces mouvements-là, catholiques, tu vois, et qu'ils ont été consacrés à l'avance. Donc, à un moment, on enlève ces enfants disparaissent de la circulation et ils sont offerts en sacrifice à l'ennemi, à Satan, parce que déjà,
dès leur enfance, leurs propres parents leur ont offert ces enfants-là à la Vierge Fatma, à la Vierge Fatima, à la Vierge Marie. Et ces prêtres-là ont prié pour ces enfants-là. Et des fois, il y a la plupart des enfants, je ne veux pas dire la plupart, mais une majorité, dans ces prières-là, ils sont voués, on leur a mis en sacrifice. Donc un peu plus tard, on vient récupérer ces enfants et on les donne en sacrifice à Satan, on les tue. Et là, après, ces parents-là cherchent leur enfant. Mon enfant a disparu, on ne le voit pas, et la police s'occupe de ça, mais bon, c'est sans résultat. C'est des personnes qui ont offert leurs enfants à l'ennemi. Et certains enfants, c'est un peu plus tard dans leur vie que l'ennemi cherche à les récupérer par des moyens occultes. Et lorsqu'ils sont soumis, ils ont été touchés, ces personnes-là, des fois, ils leur laissent vivre. Pour une autre mission un peu plus tard, tu vois, ils leur laissent vivre et tout, ils ne sont pas sacrifiés comme les enfants. Ils leur laissent vivre leur vie en attendant la soumission à venir à l'islam. Le mouvement Fatma a pour but de donner tous les marchés, business, entreprises, à la tête de toutes les organisations des musulmans. Tous ceux qui adorent la Vierge Fatma, catholique, tout ça sont déjà soumis à l'islam, la plupart en tout cas, par des moyens occultes. Ils sont déjà soumis, ils ne le savent pas, mais ils sont déjà soumis. Ils leur laissent dans leur religion des hommes parce qu'il y a un certain profit financier à en tirer. On va finir avec quelques versets bibliques et vous comprendrez et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, et on finira aussi par une vidéo d'un frère qui vous explique que dans le mouvement de la Vierge Fatma, il y a de l'occultisme, il y a du magnétisme. Le magnétisme, c'est un mouvement occulte qui a le pouvoir de guérir les gens et qui a le pouvoir aussi de contrôler les gens, les mentales des gens, et contrôler les hommes, les humains. Avec du contrôle mental, le magnétisme a ce contrôle-là, ce pouvoir-là. Actes chapitre 19, verset 21. Après que ces si choses... Si tu es catholique et que tous les ans, non, tu vas faire ton pèlerinage à Lourdes, alors j'ai une révélation à te faire, une révélation fracassante sur Lourdes. Alors, cette révélation, en fait, c'est un chrétien serviteur de Dieu qui l'a fait sur YouTube, et moi qui ai été à Lourdes plusieurs fois dans ma vie, il n'y a pas besoin de vraiment de faire de révélation, ça se voit à vue d'œil, si vraiment on arrive vraiment bien à discerner que Lourdes c'est un nid à démons. C'est pas à Lourdes que tu vas rencontrer Dieu, là par contre tu vas rencontrer Satan. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Alors d'abord, on va parler de la grotte. La grotte, quand je touche la grotte, je sens des vibrations. Ces vibrations, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à du magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? Le magnétisme, c'est satanique. C'est un pouvoir occulte. Donc, même si j'avais eu mal à l'épaule et puis que je lui ai demandé qu'on guérisse l'épaule, eh bien, mon épaule a été guérie. Parce que, bien sûr, le magnétisme peut guérir, parce que Satan, il peut faire aussi des miracles, il peut aussi faire des guérisons, puisque Satan, lui, il se déguise en ange de lumière pour tromper beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et en fait, l'autre révélation, enfin l'autre discernement, c'est que, à côté de la grotte, devant la grotte, tu vois la statue de Marie. Tu vois la statue de Marie, puis tu vois les chrétiens qui prient Marie. Bon, ça je sais que vous les chrétiens, vous les catholiques plutôt, vous priez Marie, mais c'est de l'idolâtrie. Si tu lis la Bible, si tu lis l'Ancien Testament, et, bon, il est écrit dans l'Ancien Testament que tous les hommes qui prient des statues, des idoles, des entités, enfin de toutes sortes de statues, toutes sortes d'idoles, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché d'idolâtrie. Et donc, bah, qu'est-ce que fait Satan? Satan, lui, sa stratégie est simple pour tromper les chrétiens.
lui, il fait un petit miracle hein, par la grotte. Et il met la statue de Marie, et puis il y a des bougies qui s'allument, et puis les chrétiens, eux, les catholiques, eux, plutôt, qui viennent du monde entier, eh bien, eux, ils se prosternent devant Marie, et ils prient Marie. Et ça, ça énerve Dieu. Alors, c'est pas fini, parce qu'il y a les bains, les fameux bains qui sont purifiants. Alors, quand tu passes un bain, eh bien, alors, t'as devant, tu fais la queue, et puis t'entends les phones, les haut-parleurs qui récitent Marie, qui te bourrent le crâne avec Je vous salue Marie, en anglais, en français, en italien. Et quand tu arrives devant, quand tu vas faire ton bain, dans l'eau bénite qui est glaciale, eh bien, tu as la statue de Marie, encore une fois. Et encore une fois, on te demande de prier Marie. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Tu transgresses un commandement qui est grave. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton Père, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et qu'à la place, tu idolâtres une statue, la statue de Marie. Et ça, c'est un péché grave. Puisque Satan, lui, sa stratégie, c'est que lui, il veut que tu ailles en enfer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tromper les chrétiens. Il va les tromper. Il va faire des miracles avec la grotte. Il va. Puis d'ailleurs, même, comme c'est un nid à démons, les personnes, parfois, elles sont guérites, mais ils ouvrent des portes aux démons. Puisque avec Satan, rien n'est gratuit. Et en même temps, ils commettent le péché de l'idolâtrie. Ils idolâtrent des idoles, des statues. Et tout ça, c'est. Tu lis l'Ancien Testament. Hein. Tu peux télécharger la Bible, tu la trouves tout en bas de la description de la vidéo. C'est marqué dans l'Ancien Testament, c'est marqué, je crois aussi dans le Nouveau Testament, c'est expliqué que que tu n'as pas le droit d'idolâtrer des statues. Si tu vois une statue d'un ange, de Marie, d'un apôtre, ça c'est tu idolâtres. Tu idolâtres et ça énerve Dieu parce que la seule personne que tu as le droit de louer, d'idolâtrer, c'est Dieu. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est le Père Céleste et Jésus. Tu n'as pas le droit d'idolâtrer personne d'autre, ni même ta femme, même sûr, si tu aimes ta femme, même si tu aimes tes parents, tu dois aimer plus Dieu que ta femme, que tes parents. Donc en fait, Lourdes, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nid à démons, c'est un piège. C'est un piège, il y a des pèlerins qui viennent du monde entier, hein, qui font des voyages qui leur coûtent une fortune, pour faire leur pèlerinage, et en fait, eh bien, ils se jettent dans la gueule du loup. Ils se jettent dans la gueule du loup, et donc, il y a même tout un commerce à côté, où ils achètent des statues, puis il y a encore des statues, ben, ils amènent des idoles chez eux, et Satan, il fait un massacre, hein. Il fait un véritable massacre avec les chrétiens, quoi, avec Lourdes. Lourdes, c'est vraiment un endroit, il n'y va plus, quoi. Ne va plus à Lourdes, puisque de toute façon, c'est pas à Lourdes que tu vas rencontrer Dieu, par contre, tu vas rencontrer Satan. Allô, acte 19, verset 23. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et la Chaïe, quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses êtres, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Acte chapitre 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable.
Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Au sérieux, ce n'est pas des dieux. Voilà. Vous fabriquez quelque chose de vos mains et vous dites que c'est des dieux. Ça, c'est pas possible. Le danger qui en résulte, ça, c'est les deux gars qui faisaient en fin de compte les statuettes et tout. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, vénérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier, ne soit réduite à néant. Donc là, attends, on continue après. Acte chapitre 19, verset 28, ces paroles les ayant remplis de colère et se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Arsiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas quoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple, mais quand ils reconnurent qu'ils étaient juifs, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit aux hommes, « Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulcre tombé du ciel ?» Donc voilà, en Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Là, c'est comme si ça fait comme le truc de pèlerinage là, au Portugal pour la Vierge Fatma. Donc là, si c'est pour comparer cette histoire avec l'histoire de la Vierge Fatma, c'est pareil. Parce que beaucoup de personnes vont dans le temple de pèlerinage au Portugal pour adorer la Vierge Fatma, vu que c'est là qu'elle a apparu en premier. Donc pour eux, voilà, cette ville-là est bénie, tout ça, tout ça, tout ça. Et on te dit, là, cette simulacre tombée du ciel, comme la même chose qu'on appelle la Vierge Fatma, Vierge Marie, la Reine du Ciel, tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est à peu près pareil. Les trucs. Mais pour revenir à tout ça, cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Ça veut dire qu'eux, ils ont seulement prêché la parole sans parler de leur déesse. Non, je veux dire qu'ils ont parlé de leur déesse, mais ils n'ont pas, quand ils disent blasphémé, ils n'ont pas insulté leur déesse, tout ça. Ils ont juste prêché la parole. Et leur dire que, mais non, ce que vous faites, c'est un peu bizarre, que voilà. Donc, eux, cette histoire-là, pourquoi je le mets? Parce que, en fin de compte, ça fait pareil avec la Vierge Fatma. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont déjà vu que c'est pas la vérité, les histoires de Vierge Fatma, de la Vierge Marie et tout ça. Mais comme il y a un business de vente de statuettes, de bougies, de chapelets, il y a un revenu, tu comprends ce que je veux dire dans ces trucs-là? Donc, ils ne veulent pas stopper ça. Donc, ils veulent pas stopper ça parce qu'après, ça va faire un genre que toute l'histoire qu'ils ont inventée sur ça, ça part en discrédit et que les hommes ne fassent plus confiance du tout à ce genre de mouvement parce qu'on voit qu'ils ont trompé l'homme, que l'homme a été trompé. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, la séduction de l'ennemi,
le diable, mais des hommes qui ont contribué à cette séduction. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont contribué à ça, tout ça. Ils ont, même ceux qui ont vu que c'était pas vrai, ils ont contribué à ça parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent au final, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le truc, c'est que les statuettes, les gens, il y avait des gens qui adoraient ces statuettes au sérieux, qui allaient dans le temple de Diane au sérieux. Il y en a qui croyaient à Diane au sérieux, à la déesse de Diane au sérieux, comme quoi que la déesse Diane, c'est un dieu, c'est quelqu'un qui leur mène dans la voie du salut, tu vois. Et eux, ils n'ont pas de combine, ils ont pas, ils préfèrent que perdre les âmes, ils préfèrent faire de l'argent au lieu de sauver les âmes. Donc, même si les âmes se perdent, ce n'est pas leur problème, ils préfèrent faire l'argent. Et c'est pour ça que, voilà, il y en a qui font tout pour, avec de l'occultisme, de la magie, pour maintenir ce mouvement toujours en place. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais Dieu, le truc, c'est que année après année, quand ce genre de mouvement continue, Dieu, il est irrité. Donc, ce qui fait qu'il y a une malédiction qui tombe sur toute la population, toutes ces gens qui adorent cette vierge et tout dans tout le monde entier, cette vierge Fatma, ils amènent une malédiction, ils amènent la colère de Dieu, qui fait que à un moment, un truc va se passer, il y aura une ruine, tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, Dieu va toujours protéger ses enfants qui marchent dans la vérité, qui marchent selon la parole de Dieu. Mais ceux qui adorent ces genres de trucs-là, à n'importe quel moment, ils peuvent leur arriver malheur, tu vois. Quand s'il y a une destruction, une guerre, un truc, ils vont y goûter parce qu'ils adorent une idole. Dieu a en abomination l'idolatrie. Et le frère te le disait. Le jour de sa visite en Turquie, le souverain pontife s'est rendu à la célèbre mosquée bleue. Et rien de tel pour promouvoir le dialogue entre chrétiens et musulmans que de joindre le geste à la parole. C'est donc les pieds déchaussés que le chef de l'Église catholique a pénétré dans la mosquée du XVIIe siècle, aux côtés du grand moufti d'Istanbul, Rami Yaran. Comme Benoît XVI en 2006, Giorgi Bergoglio s'est ensuite recueilli de longues minutes tournées vers la Mecque, les mains jointes et les yeux fermés. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة Donc voilà. Quelqu'un qui se dit sublime ne peut pas rentrer dans l'adoration de personne. Parce que sur l'Éternel, c'est appliquer sa parole, ce qui nous a été donné là. La Bible nous dit que si quelqu'un venait à nous présenter un autre évangile, que cette personne soit maudite, que cette personne soit maudite. Voilà, nous, on nous a donné la parole de Dieu qui a été faite dans la Bible. Et avec cette Bible-là, seulement, tu peux être sauvé, avec cette Bible seulement, tu peux être sauvé, parce qu'il y a le chemin, la vie et la vérité qui est Jésus-Christ. Donc c'est si tu appliques la parole, tu es sauvé, tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin d'un autre livre. Tu n'as pas besoin de doute qui sort d'ailleurs pour t'amener au salut, parce qu'avec la Bible seulement, tu peux t'amener au salut, parce qu'il y a la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un, tu suis Dieu, et quelqu'un, tu vois qu'il suit un autre évangile, et que la parole de Dieu qui te dit ne te mets pas sur un joug étranger, donc, quand tu participes à une adoration quelconque qui n'est pas celle de l'Éternel, tu te mets sur un joug étranger. Et c'est ce que le pape fait là, et hop, il se dit, est un chrétien. Donc, voilà. Donc après, on te montre qu'il y a l'imam là qui dit que dans le Coran il y a Jésus, quand dans le Coran on parle de Jésus, dans le Coran on parle de Marie. Voilà. Mais même si on parle de Jésus, même si on parle de Marie, la parole te dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des rajouts sur la parole de Dieu, ce qu'il a donné. Sur la Bible, il ne faut pas qu'il y ait des rajouts. Le Coran, c'est un rajout, ils veulent rajouter quelque chose sur la Bible. Donc non, ça c'est contraire à la parole de Dieu. En plus de ça, n'importe quelle personne, moi je peux inventer ma doctrine et mettre un petit peu de Jésus, mettre un petit peu de Moïse, mettre un petit peu de Abraham, mettre un petit peu de chacun des prophètes et dire que cette doctrine-là est vraie parce que j'aurais rajouté quelques éléments de la Bible. Non, tu ne peux pas rentrer dans ces conditions-là parce que Dieu a donné sa parole d'une manière, c'est sur sa parole d'une manière. Les hommes ne peuvent pas inventer un livre à eux et mettre quelques éléments de la Bible et dire que ce livre vient de Dieu.
un livre qui est arrivé 600 ans après la Bible, alors qu'avec la Bible seule, on est sauvé. On applique les Écritures et tu es sauvé. Donc pourquoi on aurait besoin d'un autre livre? On applique les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus, et tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller voir un autre livre qui arrive 600 ans après ou bien un autre livre ailleurs. Il y a une seule manière, Jésus a donné une seule manière d'être sauvé, c'est en reconnaissant le sacrifice de la croix, en l'acceptant, en se repentant pour nos péchés et en se faisant baptiser en son nom. C'est ça, il n'y a pas d'autre manière. Sonra çocuktu, onunla Zekeriya peygamber ilgileniyordu. C'est pendant son enfance, Marie était éduquée par le prophète Zekeriya. Bu yer, yani bir oda gibi, mabette. L'endroit où Marie résidait dans le temple, c'était comme une chambre. Alors, on sait très bien que ce ne sont pas des vrais juifs, hein, sinon jamais ils n'accepteraient de faire autant de génocide. Qu'on soit bien clair, les juifs orthodoxes n'ont pas le droit de tuer. Il ne faut pas mélanger tout ça. Voilà, bref, voilà, vous pouvez mieux comprendre si vous ne connaissez pas la pyramide, justement les détails de la pyramide, j'en parle dans cette vidéo-là. D'ailleurs, je l'ai fait, ça remonte. Elle n'a pas trop tourné apparemment, mais elle est très importante pour ceux qui veulent comprendre. Et maintenant, on va passer aux enjeux, maintenant qu'on sait le truc, hein, on sait qu'on voit que le pape est en train de sucer ses ravisseurs, enfin ses chefs plutôt. Tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire en vrai, tout le monde devrait accepter cette photo assez simplement. Et j'ai aussi une deuxième personne à vous montrer, qui est cette dame. Je ne sais pas si c'est en lien de la famille Morgan, pour ceux qui ne savent pas la famille Morgan, c'est la reine d'Elisabeth. Hein, elle aussi fait partie des familles avec les Rockefeller, etc. La reine d'Angleterre, ce qui est logique, elle fait partie des Illuminati. Ben voilà, je ne sais pas qui est cette dame. Je ne sais pas, bizarrement, le pape aussi l'embrasse, peut-être c'est la femme à Rockefeller. Je ne sais pas, de toute façon, je le saurai en commentaire, c'est pour ça que je vous le montre. Je sais que je peux le trouver la réponse, mais en vrai, je m'en fous un peu. En commentaire, n'hésitez pas. Je mettrai en précision qui est cette dame, parce qu'il n'a pas fait que ça qu'à Rockefeller, il a aussi embrassé la main de cette dame. Et je pense qu'elle est liée au Morgan, la famille de la princesse Elisabeth, mais je ne suis pas sûr. Donc, en commentaire, n'hésitez pas. Les Morgan sont riches de vous, bien sûr, mais tous ceux-là, ils sont milliardaires. Et je crois même qu'on peut dire qu'ils sont billionnaires, carrément. Je crois qu'on peut dire qu'ils sont billionnaires, pour vous dire. Je dois faire une vidéo sur quoi? Mathéo, je te dis en privé. Je l'envoie en privé, Mathéo, t'inquiète pas. Ça sera mon prochain sujet. Et je sais que tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. C'est pour ton âge, en plus. Donc t'inquiète pas. En privé, tout de suite, je viens de te voir après. Pourquoi Benoît XVI a démissionné? Parce qu'il n'a pas pu assumer tout ce satanisme. Et il le dit, hein. Il a dit non, je peux pas. C'est trop pour moi. Je pensais pas que c'était ça, être pape. Bah oui, il pensait pas que c'était ça. Il pensait qu'il allait aider les gens, qu'il allait baptiser des cités, etc. Alors que non, c'est pas ça qui s'est passé. Il a vu ses conjoints dans des boîtes gays, il a vu des trafics d'enfants devant ses yeux, etc. Je pense que ça l'a directement refroidi. Pour ceux qui ne me croient pas, pour les histoires de trafic de viol, etc., procès pour viol, trafic d'enfants au Vatican. Voilà, je mets point d'interrogation, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Hein. C'est juste pour ceux qui doutent, en fait. Mais non, c'est véridique. C'est prouvé, c'est officiel, et c'est dans des médias officiels qui disent bien que le pape a des procès pour trafic d'enfants, mon frère. Viol et trafic d'enfants, c'est du délire. Allez voir la vidéo si vous ne me croyez pas, de toute façon, tout est inscrit là. Allez, maintenant on passe à l'action, on va voir en live que ce n'est pas des photomontages. Donc voilà, on le voit déjà en train de célébrer je ne sais quoi avec des flammes. Hein, pourquoi des flammes, je ne sais pas, hein, c'est propre rituel, hein, de toute façon, de mettre des flammes dans des cérémonies, mais bon, moi je ne sais pas, hein, je ne vois pas de flammes. Pas de flammes dans les églises, je vois pas de flammes, hein, je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, je sais pas, hein, à quoi servent les flammes, bon, ceux qui savent, de toute façon, voilà, comprendront, voilà, monsieur Rockefeller, le bisou a été fait, ah, et là, ils sont en train de dire, je ne sais pas quoi, kippa noire contre kippa blanche, non, enfin, bref, voilà, je sais pas ce qu'ils racontent, ça m'intéresse pas trop, de toute façon, mais on peut voir qu'ils sont tous, ils sont tous très amis, et il faut aussi savoir que le pape, hein, ce pape-là, un truc de ouf que j'ai appris aussi, j'y croyais pas, Sarkozy est le pasteur du pape. Voilà. C'est incompréhensible, je sais, mais c'est vrai. Renseignez-vous, Sarkozy est le pasteur du pape.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'est vrai. Donc voilà, pour vous dire qu'ils sont complètement fous, tout simplement. Non, c'est Obama. Non, c'est Sarkozy, je suis sûr de moi. Mais c'est à l'époque où il était président. Ah oui, Jésus, t'as raison. Oui, t'as raison, pardon. Ah, bah tu vois, comme quoi Jésus a bien parlé. Oui, c'était avant Sarkozy, maintenant c'est Obama, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont changé les rôles. Moi, je parlais de Sarkozy en tant que... Quand il était président, c'était le pasteur du pape. C'est vrai. Merci à toi d'avoir confirmé. J'allais en plus dire une bêtise. Heureusement que t'es là. Donc voilà, on est là. Il y a cette dame aussi, je sais pas c'est qui. Le bisou. Sur la main, alors ça devrait être l'inverse, dans la logique, hein. Même si personne n'a embrassé les mains de personne, mais bon. Si il s'avère que c'était une obligation, ça devrait plus être l'inverse. Des croyants devant le pape, ce qui est logique. Mais non. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est le pape qui montre qu'il est bien le chien-chien de la team. Voilà. Rockefeller, je sais pas c'est qui la dame. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est pas fini. Voilà, il y a aussi lui. Donc là, je suppose qu'ils font tous partie des 13 familles, hein, quand je vous ai dit, Morgan, Rockefeller, etc. Il y a 13 familles, je sais pas si c'est à la lettre ou au chiffre près, mais c'est ce que beaucoup de gens disent, donc voilà, je suis sûr qu'ils font tous partie des familles, hein, qu'on soit clair, tous ceux qui l'embrassent. Maintenant, je voudrais savoir c'était où ça exactement, et pourquoi. Et vous verrez que tout un lien, je le mettrai en... C'est pas très important, mais je le mettrai en description. Où ça a été fait, c'est quelle cérémonie qu'ils fêtent, parce que je pense que c'est important de savoir ça aussi. Voilà, je sais pas c'est qui encore, un autre qu'ils embrassent. Voilà, le fameux rock. Le bisou, le blabla. Voilà, bon, on va dire qu'ils étaient peut-être 5 ou 6 au total à être embrassés par le pape. Bon, hein. Je pense savoir pourquoi, mais bon, j'ai pas à mettre des théories, hein. Il fait juste que montrer son esclavagisme à ses ravisseurs, tout simplement. Mais bon, allez, je pense que tout a été dit, c'est assez officiel et formel. Là. Personne ne peut me dire que c'est des conneries que je raconte ou je sais pas quoi. Maintenant, pour les mecs qui vont se trouver des choses à se dire, bah, expliquez-moi pourquoi il embrasse les mains. Je sais pas, hein, expliquez-moi, vous allez me dire oui, c'est parce que c'est son grand-père, ou j'en sais rien, peut-être par respect de l'âge ou je sais pas quoi. Trouvez tout ce que vous voulez, ça va s'annuler, ça va s'auto-annuler tout seul, j'ai même pas besoin de répondre, comme ça, hein, je pense que c'est clair. Voilà, je vous réponds là tout de suite déjà, de toute façon. Tous vos messages vont s'auto-annuler, sachez-le, il n'y a aucune blabla à dire, il n'y a aucun montage, tout est réel, et c'est vrai, faut l'assumer. Faut enfin se dire que Grand Cave Prod, des fois, dit pas n'importe quoi, tout simplement. Bref, voilà, je délire un peu, je suis exprès de rajouter de l'ironie, surtout par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant sur le foot. C'est important, là, vous voyez le message que je veux passer pour tous les gens qui nous insultent de fou, etc. Alors que les preuves sont juste devant nos yeux, c'est... Matthieu, chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ils sont venus adorer le roi des Juifs. Donc, ils demandent à Hérode où se trouve ce roi des Juifs. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, oui, qui pètera, je veux dire, un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir les questions de Jésus, après avoir faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi,
Ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrte, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc là, ces mages en question qui suivaient l'étoile et tout, ils sont arrivés devant la maison de Jésus, et ensuite, ils sont arrivés, ils ont posé la question, est-ce que c'est bien le bébé qui vient de naître et tout, et Marie leur a dit oui, et ils se sont prosternés, pas devant Marie, ils se sont pas prosternés devant Marie, parce qu'ils cherchaient l'enfant qui vient de naître. Donc, l'enfant qui vient de naître n'était pas de Marie. Donc, après, ils se sont prosternés devant l'enfant, ils l'ont adoré, ils l'ont offert de l'encens, de la myrte et des trésors, et après, ils sont partis, mais ils ont adoré pas Marie, pas la mère de Jésus, mais ils ont adoré Jésus seulement. Tu comprends ce que je veux dire? Quand les mages sont arrivés, c'est Jésus qu'ils ont adoré. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sur tout ce que je vous ai dit depuis le début, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand les mages sont arrivés, c'est Jésus qu'ils ont adoré, pas Marie. La parole de Dieu qui te dit, Exode chapitre 20, verset 3, j'insiste beaucoup sur ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ça veut dire les statuettes de Marie, tout ça, les croix, tout ça. Faut arrêter ça. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Ça veut dire que les trucs là, les anges, tout ça aussi, il faut pas ni te prosterner, ni les adorer, en fin de compte. Vas-y, même l'ange qui est apparu à Fatima, là, qui se faisait passer pour la Vierge Marie. Non, tu ne peux pas te prosterner devant cet ange-là, parce que si tu te prosternes devant cet ange-là, même ne te dit rien, eh bien, cet ange-là n'est pas de Dieu. Parce qu'un ange, directement, si tu te prosternes devant lui, il va te dire « lève-toi tout de suite ». Parce qu'il représente Dieu et il ne veut pas prendre la gloire de Dieu. Parce que s'il prend la gloire de Dieu, lui-même, un truc va lui arriver et il te fait pécher. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, c'est un ange de Dieu, comme j'avais pris un verset, comme quoi qu'il y avait Jean qui s'était prosterné derrière devant un ange qui était venu lui apporter un très beau message. Et quand ce beau message est arrivé, il a voulu se prosterner parce qu'il était bien content du message et tout. Mais l'ange direct l'a repris, il a dit « Non, ne te prosterne pas devant moi. » Prosterne-toi devant Dieu et adore Dieu seul. Représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Pourtant, ils ont servi Marie. Ils ont fait ce que Marie leur disait de faire. Ils ont fait ce que l'ange Fatma leur disait de faire. Tu vois, donc ils ont servi l'ange Fatma. Ils ont même fait un culte. Et ils font un culte juste à maintenant. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu vous écoute.